Bien, bonjour les amis, bonjour à tous. Voilà, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça fonctionne? Voilà, j'attends vos retours. On va attendre que tout le monde se connecte. Allons-y, allons-y. Qui est là? Hello, hello les amis. Y a-t-il quelqu'un? Allô? Bien, bonjour à tous, bonjour, bonjour, ça y est, je vois que ça se connecte, ça y est, ça y est. Eh bien, bienvenue à tous, dites-moi, oui, où vous êtes alors? Ouais, alors dites-moi où vous êtes, moi je suis en déplacement à Lyon, donc je suis dans la région lyonnaise. J'aime bien savoir où sont les gens. Ici, on a Jean-François de Belgique. Salut Jean-François, super. Salut Christian, écoute, content de te voir, content que tu passes ici. On est en direct sur YouTube, sur TikTok et sur LinkedIn. Allez-y, dites-moi d'où vous êtes. Salut Ludo. Bonjour Daniel. Voilà, dites-moi de où vous êtes connecté. Casa. Yeah, Casablanca. Super, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Pays Basque. On a Cannes Alpes-Maritimes. Merci de me dire Cannes Alpes-Maritimes. Merci de me rappeler ça pour ma géographie. Sabrina qui est en Algérie, j'adore, mais ça, c'est les miracles de LinkedIn, c'est les miracles des réseaux sociaux, c'est que les gens sont connectés de partout. J'ai Michel ici qui est sur TikTok, hein, donc oui, je suis sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Donc, salut Michel, Michel Coury, il est sur TikTok. Eh oui, vous connaissez sûrement sur LinkedIn. On a Stéphane du Cameroun. Yes, Fès au Maroc. Oh là là, mais on a l'Afrique du Nord qui est en force. On a Reims, David, salut David, Mourad de Centre-Blois, Alexandre de la Bretagne, Vanessa de Toulouse, super Toulouse, Patrick du Cameroun, salut, Hugues du Luxembourg, ici sur TikTok, j'ai Léo qui est à Nantes, Bruno qui est à Cannes, Casablanca, Chambéry, mais pff, oh là là, c'est ça qui est fou sur les réseaux sociaux, c'est qu'on arrive avec plein de gens partout dans le monde. Bon, évidemment, ceux qui parlent français, moi j'ai du mal à parler anglais. Donc, Agen, Marseille, j'ai pas de Québécois aujourd'hui, c'est d'habitude j'en ai. Saumur, mais peut-être qu'ils vont arriver. Christian, salut Paris. Abidjan, Khalil ou Khalil de Lille. Khalil de Lille, ouais, c'est pas mal ça. On a du Metz. Salut Laurent de Perpignan. Stéphane du Cameroun. Yeah. On a Aurélie de la région parisienne. Donc pour les gens qui sont sur TikTok ici, voilà, donc j'ai pas mal de gens qui sont connectés sur LinkedIn. Donc l'idée, c'est de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur comment attirer ses futurs clients sur LinkedIn. On a l'île de la Réunion, on a Cameroun. Ok. J'ai une blague sur TikTok. Hein. C'est pas la même chose que LinkedIn. Sur TikTok, il y en a un qui dit ma femme m'a quitté hier, mais je sais qu'elle va revenir en rampant. J'ai gardé son fauteuil roulant. C'est pas gentil ça. On a Christelle de Frignicourt, près de Vitry-le-François en Champagne-Ardenne. Wow, le 51. Revel Dylan du Cameroun. Ok. Pareil sur TikTok, dites-moi d'où vous êtes, que je sache un petit peu d'où vous êtes connecté. La Côte d'Ivoire, Caen, Kevin de la Belgique. C'est génial. Anthony de Genève. Simon de Côte d'Ivoire. Ibrahim, alors Michel, ça va être difficile à gérer hein, des lives à deux, un sur TikTok, sur LinkedIn, etc. Donc on s'en essaiera de se faire un live TikTok si tu veux une autre fois. Mais voilà, là ça me semble compliqué de te connecter en même temps. Voilà, je vais avoir du mal à gérer tout en fait. Amel de la Côte d'Ivoire, Jenny du Mans, les Yvelines Marjorie, ah le Québec, ouf, voilà, le Québec est là. Et oui, avec le décalage, normalement je crois qu'il doit être midi chez eux ou un truc comme ça. Grégory de voilà, La Réunion.
bonsoir du 83. J'ai Laura de Toulouse ici sur TikTok. Molène Luxembourg, Montpellier, Bruno, la Vendée, Emmanuel. Mais il y a un monde de fou ce soir. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, hein, donc je suis très content de vous revoir. Abdesattar de Casablanca, Côte d'Ivoire, Xavier d'Agen, Grégory Duvar. Waouh, waouh, waouh. Franck Pabo, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, Nice, Jennifer, Coralie, la Normandie, Samuel, Angers, Côte d'Ivoire, Satya, Fanny de Loos de Plaisance, ok, je ne sais même pas où c'est ça, Loos de Plaisance, Sandra de Nantes, salut, Dermat de Saint-Malo, Rennes, on a du Rennes, on a du Garches, on a du Valenciennes, Valenciennes c'est ma région, hein. Je rappelle que je suis lillois, donc voilà, allez Valenciennes. Sevran, qui est la région parisienne, la Côte d'Ivoire, Biec Maxime, Carole de Dijon et Kelly de Montreuil. Bon, super. Bah écoutez, c'est génial de voir qu'il y a du monde de partout. Ici, j'ai une question. Jean-Pascal, vous êtes où actuellement? Je suis dans la région lyonnaise où j'ai fait une formation, donc je suis à l'hôtel aujourd'hui et demain pour une société qui s'appelle Leuze, qui travaille dans le milieu industriel. Voilà, comme ça, vous savez tout, toute ma vie. Amiens, Tunisie et Stéphane Noubi, ok. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Philippe Doncarly, il faut que tu assures. Bah, je ne sais pas si je dois assurer, mais en tous les cas, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, allez-y, profitez du chat. Salut Bertrand Danger. Et sur TikTok et sur LinkedIn, posez-moi vos questions. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que LinkedIn, ça m'amène 80% de mon business en entrant. J'envoie pas de mail automatique, je fais pas de demande de contact, etc. C'est les gens qui me contactent. Alors, c'est ma façon de faire. Je dis pas que c'est la façon qui doit être utilisée par tout le monde. En tous les cas, moi ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au mois de mars. On va dire que mon planning, il est rempli quasiment à 75-80% pour l'année. Et tout ça grâce à LinkedIn. Alors, c'est vrai que c'est fou. Mais voilà, en tous les cas, ça marche. C'est un outil dont vous pouvez pas vous passer. Pour ceux qui sont sur TikTok, salut Eddy, qui est sur TikTok. Donc TikTok, c'est bien quand on cherche, mais quand on cherche un job ou quand on cherche des clients, malgré tout, même si je suis sur TikTok et que j'y crois, aujourd'hui, LinkedIn, ça reste the place to be. Voilà. Donc posez-moi vos questions. Alors, j'ai une question ici sur TikTok que je vais vous dire à tous. Quelle approche faire avec un prospect sur LinkedIn? Alors ça, c'est une question très large, mais c'est une question qui est super importante. Quelle approche avoir avec un prospect sur LinkedIn? Bah, c'est un petit peu comme quand on drague quelqu'un. C'est-à-dire que si tout de suite, on envoie un message en disant « Tiens, est-ce que tu m'achètes ?» Et si on drague quelqu'un, ce serait « Est-ce que tu BAISE ?» Voilà, évidemment, il y a peu de chances que ça marche. Alors, ça peut marcher une fois sur 100, mais 99 fois sur 100, ça ne fonctionne pas. Donc, la bonne approche, c'est… Voilà, on rentre en contact. Si la personne est venue vers votre profil, vous lui demandez pour quelle raison elle est venue vers votre profil. Je crois qu'il faut y aller à tâtons et pas vouloir être trop rentre-dedans et sans vouloir faire du volume. Voilà. Comment attirer des clients qui sont en fait des patients comme thérapeute? Un truc qui peut être intéressant, c'est de partager des astuces. Alors moi, c'est ce que je fais. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui me contactent et des prospects. C'est que c'est en donnant peut-être des méthodes de relaxation, peut-être des petits trucs sur comment être bien. Bah, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et ben, les gens vont se dire, ah, bah, tiens, effectivement, cette personne, j'ai envie de rentrer en contact avec elle. Industrie, super. Okay. Philippe, tu as combien de rendez-vous par semaine? Écoute, j'en ai pas tant que ça, moi, des rendez-vous. J'en ai entre 3 et 5 par semaine. Mais l'avantage de LinkedIn, c'est que les gens qui me contactent, on va dire qu'ils m'ont déjà acheté à 50, 60, 80%. Après, on parle de contenu, on parle de prix. Et voilà, est-ce que ça rentre dans ce qu'ils avaient prévu ou est-ce que le programme, moi, je peux le faire? Mais dans 8 cas sur 10, c'est closé. C'est-à-dire que l'avantage de LinkedIn, c'est que les gens ils me connaissent. Donc, ceux qui ne m'aiment pas, ils ne vont pas me contacter. Donc, je ne vais pas perdre mon temps. Et a priori, ceux qui me contactent, c'est qu'ils me disent toujours « Tiens, j'ai vu votre vidéo, j'ai vu votre post. » Et voilà. Hervé de Lille. Oh là là, Hervé, ça fait… Je suis content de te voir. Hein. Je pense qu'on ne s'est pas vu depuis 12, 13, 14 ans. Hervé m'avait fait intervenir pour une société qui s'appelle RH Performance dans le nord de la France. Depuis, bon, j'ai pris un petit peu mon indépendance et je travaille tout seul. Mais bah, écoute, je suis content de te voir, Hervé. N'hésite pas à compter sur Paris, parce que je crois que tu as une antenne sur Paris. Mais voilà. C'est toujours bien de voir des gens. À partir de quel nombre de contacts as-tu constaté une augmentation réelle des sollicitations entrantes? En fait, je crois que ce n'est pas lié à un nombre de contacts. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts. Hein, j'en ai un peu
126 000. Mais c'est vraiment à partir du moment où je me suis dit, il faut que je donne du contenu et il faut que je le fasse régulièrement. Et je me suis dit, il faut que je publie tous les jours. En fait, le nombre de contacts n'a été qu'une conséquence des publications que j'ai pu faire. C'est-à-dire que les gens se sont dit, ah bah tiens, j'ai envie de le suivre. Je suis arrivé aux 30 000. Hein, vous savez qu'on a droit à 30 000 contacts de niveau 1. Donc, je peux être avec 30 000 contacts en relation directe. Après, bah, les gens peuvent juste suivre mon profil. Donc, ça n'a été qu'une conséquence. Ça n'a pas forcément été l'objectif principal. L'objectif principal était que je me rende visible parce que je crois très fort à un biais qui s'appelle le biais de simple exposition, hein, qui est un biais cognitif. C'est que plus on est exposé à une marque, c'est le principe de la pub, hein, plus on est exposé à quelqu'un, bah, plus le jour où on a envie de passer à l'action, bah, plus on pense à cette personne. Donc, Ludo, ce n'est pas une question de contact, c'était une question de régularité de contenu et en essayant d'interpeller, d'apporter de la valeur, sans jamais être dans la promo ou dans la pub. C'est assez rare. Je dois faire 5 posts par an qui sont des posts promo. Voilà. Sandra, je suis éditrice jeunesse spécialisée auprès des lecteurs empêchés dyslexiques. Comment toucher un maximum de gens, orthophonistes, enseignants, parents des enfants dys? Ouais, alors ça, c'est effectivement sur LinkedIn, c'est pas identifié. Hein, donc, les gens remettent rarement, alors, même si j'ai déjà vu des posts passer sur des gens qui avaient des enfants dyslexiques. Là aussi, hein, c'est avec le contenu et c'est grâce au contenu que tu vas pouvoir partager, qui peut être de la vidéo si tu es à l'aise avec ça, mais qui peut être aussi juste du contenu en poste. Hein. C'est comment aider un enfant dyslexique, c'est qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi, qu'est-ce qui est important pour eux. Enfin, voilà, encore une fois, apporter de la valeur. Et plus vous pourrez apporter de la valeur, plus les gens auront envie de rentrer en contact avec vous. Surtout là, Sandra, tes interlocuteurs sont difficilement identifiables. Tu ne peux pas aller vers eux, tu ne peux pas utiliser moteur de recherche en mettant enfant dyslexique, parce que tu n'as pas trouvé. Donc, il n'y a qu'avec le contenu que tu pourras faire venir les gens à toi. Et parler de si tu fais de l'édition, bah, de ce que tu publies et en quoi ça peut aider les enfants dyslexiques. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pourquoi mon compte est toujours à zéro en 2022? Je mange pas logement, on oublie. J'ai pas compris. Stéphane, ma question et ma principale préoccupation est de savoir comment trouver un emploi sur LinkedIn. Alors là, je crois qu'il faut que tu aies une stratégie, c'est-à-dire te dire ben, j'ai envie de travailler dans quoi, j'ai envie de travailler dans quel domaine. Une fois que tu as fait ça, tu cibles les entreprises qui t'intéressent et puis, ben, si elle publie des choses ou si des gens de l'entreprise publient des choses, ben, tu vas commenter, tu vas liker, tu vas te montrer. Et puis à un moment donné, tu vas rentrer en contact avec les gens, ben, tiens, j'aime bien votre contenu, j'aime bien ce que vous faites. Et puis, ben, voilà, vous en êtes tous en termes de recrutement, qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Et puis bien être en veille pour pouvoir après créer le contact. Hein. C'est comme avec un client. Hein. Moi, je fais pour moi la vente et se vendre et se faire recruter. Il y a énormément de points communs, donc il faut vraiment avoir cette démarche de vente et ou d'apporter de la valeur ou d'aller vers en y allant voilà, pas à pas. Sur TikTok, qu'est-ce qu'on me dit? Bonjour, j'aime tes vidéos, je suis vendeur automobile en concession. Eh ben, écoute, merci pour ce petit pour ce message. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur TikTok, hein, également sur LinkedIn, bien évidemment. Je bois un petit coup. Alors, au bout de combien de postes, il y a un retour? Bien sûr, ça dépend de la qualité, mais disons que tout est OK. Au bout de combien de postes? Je n'ai pas des stats et je pense qu'il n'y en a pas. Ça va dépendre de ta cible, ça va dépendre de ton contenu. Ne rêvons pas, hein, c'est parce qu'il y a un poste un jour qui même qui va buzzer, qui va faire beaucoup de vues, que le business va suivre. LinkedIn, c'est quand même un temps long. Ce n'est pas, tiens, à partir de demain, je poste et je poste tous les jours. Et à la fin de la semaine, j'espère que j'ai des prospects ou des clients qui vont me contacter. Donc, évidemment, non. Donc, pardon. Ah, il y a J'assure comme une chef. J'assure comme une chef, hein, je vous la conseille sur LinkedIn. Hein, alors, j'ai plus son prénom. Je crois que c'est Keskin. C'est un agent d'assurance, une agent d'assurance d'ailleurs, qui est sur TikTok et qui fait des trucs super et qui est aussi sur LinkedIn. Elle fait beaucoup de vidéos. Je crois que c'est Nathalie, mais je m'engage. Elle va me dire sur TikTok. Mais suivez-la. Franchement, voilà, c'est Nathalie. Voilà, ça. Nathalie Keskin, KESKIN. Je vous conseille de la suivre pour les assurances parce que c'est vrai que, bah, voilà, on se dit, moi j'ai plein de clients qui sont CGP ou qui sont dans ce domaine-là, qui disent, bon, LinkedIn, machin. Alors déjà, c'est du B2C, c'est du B2B, c'est pas du B2C. Bah, bien sûr que si, hein, la personne qui est DRH, DG ou d'IRCO,
forcément, c'est aussi un acheteur potentiel, c'est un client potentiel et c'est du B2C. Donc, LinkedIn peut être aussi une plateforme B2C. Et je trouve que Nathalie l'utilise vachement bien, voilà, avec le sourire et en essayant de faciliter les messages. C'est un bon exemple à suivre pour avoir une ligne éditoriale, en tout cas. Comment trouver un emploi sur LinkedIn à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Bah là, moteur de recherche, hein, moteur de recherche, tu cherches le pays, déjà pourquoi pas les RH sur le pays dans lequel tu as envie de travailler pour les identifier, puis pour après rentrer en contact avec eux. Voilà, Siméon, ce que je peux te dire. Bah, merci, merci à toi, Nathalie. Philippe, est-il impératif d'avoir un abonnement premium? Pas du tout. Moi, j'en ai un. Franchement, je crois que je n'utilise pas les possibilités. Faut vraiment se dire, tu passes au premium le jour où tu es bloqué parce que tu veux remonter plus loin dans tes visites de profil, parce que tu veux plus d'emails, etc. Pour moi, ce n'est pas indispensable. Le moteur de recherche est déjà pas mal sur la version gratuite. Donc, voilà, il n'y a pas un énorme intérêt. Un des intérêts quand même de Sales Navigator, c'est de pouvoir suivre des comptes, d'être alerté quand ils publient certaines choses pour pouvoir aller réagir dessus. Donc, si c'est ton cas, ça peut être intéressant. Mais pour moi, on peut faire du business sur LinkedIn sans abonnement premium, bah parce que déjà, pour moi, le business, il vient par les publications et que bah, pour publier, il n'y a pas besoin d'abonnement premium. Voilà, tout simplement. Ludovic me dit la fréquence de publication est déterminante. Oui, on voit des gens qui publient deux fois, trois fois par jour. Style Louis, on a Louis Pille, on a j'ai plus les noms en tête, mais enfin, il y en a plusieurs. Et oui, encore une fois, plus tu publies, plus tu es visible. De toute façon, quand tu publies, ben, il y a un certain nombre de personnes qui vont être touchées. Et puis tu vas peut-être publier l'après-midi et ce seront peut-être d'autres personnes qui seront touchées. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il faut publier 10 fois par jour. Moi, je m'astreins à publier au moins une fois par jour. Aujourd'hui, j'ai fait deux posts dans la journée. J'en ai fait un à 8 h ce matin et un vers 13 h 30. Voilà, moi, c'est entre 1 et 2 en fonction de ce qui me passe par la tête. Voilà. Ludovic. Ludovic est un confrère. Donc, je donne voilà, des conseils aux confrères. Hein. De toute façon, il y a du business pour tout le monde, largement. Comment toucher le maximum de personnes sur LinkedIn? Alors, qu'est-ce que tu entends par toucher? Si toucher, c'est que tu sois visible, eh bien là aussi, c'est ton contenu qui va te permettre de toucher un maximum de personnes. Moi, je peux vous donner l'exemple d'un ami qui n'est pas du tout un professionnel de LinkedIn, qui un jour a fait un post, il a 150 abonnés, qui a fait 220 000 vues. Mais il a eu voilà, une idée comme ça. Alors, son poste, il n'y avait aucune structure, il a posté ça comme ça. C'est juste que pendant le Covid, il a eu l'idée de prendre un morceau de carton, de se faire un petit plateau pour manger dans sa voiture avec une scie, un truc qui était adapté à son volant. Et du coup, ce poste, il a fait voilà, plus de 220 000 vues, alors qu'il avait 150 abonnés. Et voilà, encore une fois, c'est le contenu, c'est l'originalité. Si je prends l'exemple de TikTok. Ben, pour ceux qui connaissent TikTok, le deuxième plus grand influenceur mondial qui s'appelle Kabilam, je crois qu'il a 130 ou 140 millions d'abonnés, je ne sais plus, mais enfin c'est le deuxième. Il a juste eu une idée un jour de se dire, tiens, je vais prendre des situations un petit peu saugrenues et puis je vais en faire des mimes et puis je vais le faire à ma façon. Il a eu la bonne idée. Ben, aujourd'hui, il gagne à peu près 100 000 euros en moyenne par vidéo. Donc voilà, toucher le maximum de personnes, c'est avoir un contenu qui peut être différent. Je prends l'exemple, je ne sais pas s'il est toujours là Michel, mais Michel Coury. Michel Coury, il est arrivé il n'y a même pas un an, hein, il parle d'emploi, et en un an, il a plus de 100 000 abonnés sur son compte. Parce qu'il a eu une idée, parce que il a des valeurs, parce que il parle d'emploi, et parce qu'il l'a fait un peu différemment, avec ses pancartes, avec voilà, des choses qui interpellent. Donc voilà ce que je peux dire, bien que Maxime. Eddie sur TikTok me dit, certaines études montrent que les profils perso sont plus consultés que les comptes pro. Quel est ton avis sur le sujet? Ah, alors oui, ça c'est évident que les pages pro n'ont pas ou peu d'intérêt. C'est bien d'en avoir une, voilà, pour dire qu'elle existe, mais effectivement, ça ne sert pas à grand-chose de publier sur les pages professionnelles. Allez jeter un œil sur les pages de Danone, sur Nestlé, qui sont des grosses boîtes, des pages qui ont des millions d'abonnés, et allez voir les posts et vous verrez qu'il y a 30 likes, 3 commentaires, et que les 30 likes, c'est les gens de la boîte. Donc aujourd'hui,
LinkedIn ne met pas en avant les pages entreprises. Donc, mon avis sur le sujet, c'est que même si vous êtes une entreprise, vous devez avoir une page perso, parce que les gens ont envie de parler d'être humain à être humain et pas autrement. Stéphane, j'aimerais savoir si l'abonnement premium est un avantage pour la recherche d'emploi sur LinkedIn. Non. Voilà. J'ai déjà répondu en partie, mais non. Jean-Pascal, est-ce que tu utilises les licences pro du réseau? Bon, moi, j'ai déjà répondu aussi. J'en ai une, mais pour moi, dans 80% des cas, ça ne sert à rien d'avoir une licence pro. Sauf si vraiment, voilà, je vous ai dit, vous êtes bloqué, vous voulez revenir sur les 90 derniers jours des gens qui ont visité votre profil. Si vous voulez suivre certaines entreprises, parce que voilà, je peux les suivre, je peux les taguer et je suis alerté, mais voilà, en dehors de ça. J'assure comme une chef, hein, donc Nathalie qui dit l'engagement est bien plus important que le nombre d'abonnés, je pense. Oui, voilà. C'est-à-dire que si vous faites des posts engageants, les abonnés vont suivre. C'est plutôt cette démarche-là qu'il faut avoir. Ben merci, ravi aussi. D'accord. Publier sur un blog ou sur LinkedIn. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Tu sais, c'est Gary Vaynerchuk, hein, qui est un peu le pape des réseaux sociaux. Il dit, ben voilà, à partir du moment où tu as une idée, ben, il faut la déployer sur un maximum de supports. Donc après, il faut essayer d'adapter, si c'est possible, les codes de chaque support. Mais si tu publies sur LinkedIn, tu peux très bien récupérer ce que tu as publié sur LinkedIn et puis le mettre sur un blog. Bon, si tu veux créer du trafic sur ton blog, tu peux très bien mettre le début de ton post, enfin le début de ton article de blog en post LinkedIn, et puis pourquoi pas dire, tiens, moi si vous voulez voir la suite, hop, tu vas en premier commentaire et puis tu mets le lien vers ton blog si tu veux créer du trafic. Donc ça peut être une bonne astuce pour faire les deux. Voilà, Joël, j'espère que j'ai répondu à ta question. Sabrina, est-ce que vous focalisez uniquement sur le marché ciblé, marché potentiel, ou bien la prospection et l'engagement sera parmi le plan pour acquérir votre clientèle? Est-ce que vous focalisez uniquement sur le marché ciblé, marché potentiel, ou bien la prospection et l'engagement sera. Alors, je vais dire comment je comprends la question. En tous les cas, moi, je ne cible pas parce que je ne vais pas vers des prospects. Et qu'en plus, mon domaine d'activité, qui est la formation commerciale, touche toutes les boîtes. Et je travaille avec tous les univers, B2B, B2C. Donc voilà, je ne sais pas si je t'ai répondu, mais j'espère. Je vends de la publicité digitale et je cherche à optimiser mes rendez-vous par semaine. Recommandez-vous de la prospection via LinkedIn ou au contraire de mener une stratégie de contenu sur LinkedIn? Merci pour vos précieux conseils. Je crois qu'il faut surtout faire les choses sur lesquelles on est à l'aise et les choses qu'on a envie de faire et le temps de faire. Donc, la prospection via LinkedIn ou une stratégie de contenu. L'avantage de la stratégie de contenu, bah moi, c'est que souvent, il est 21h, 22h, 23h, je prépare mon poste pour le lendemain et en général, je l'envoie vers 8h du mat. Donc, c'est vrai que si je devais prospecter à 22h ou 23h, bon, ce serait plus compliqué. Donc, en fonction de ce que tu aimes faire et en fonction de tes objectifs et du temps disponible, je crois que c'est aussi comme ça qu'il faut réfléchir. Nathalie, Ludovic, s'éclate, voilà, c'est bien. Ah, Nathalie, ah oui, donc il me répondait à mon truc de tout à l'heure. Ah, j'ai un peu de retard là sur mon chat, c'est pour ça. Jean-Pascal, comment promouvoir ses services sur LinkedIn sans être dans la répétition sur ses posts et sans gaver son réseau? Alors, il ne faut pas promouvoir ses services, effectivement, sinon tu vas gaver et tu vas intéresser personne. Tous les posts promo, les posts pub, même les posts sponsorisés, ça ne marche pas. Donc oui, si tu es dans la promotion, si tu es dans la pub, si tu es dans dire on est les plus beaux, on est les plus forts, on est les plus intelligents, non, ça ne marche pas, ça ne t'intéressera pas et ça n'engagera pas. Maintenant, il faut que tu parles de toi et de tes services en apportant de la valeur. Donc si tu apportes de la valeur, eh bien c'est comme ça que tu ne vas pas gaver. Et puis même si tu gaves ton réseau, hein, faut quand même se rappeler qu'il y a 23 millions de personnes sur LinkedIn, donc il y a quand même du monde. Et que l'idée, c'est pas de plaire à tout le monde. Et que les gens, si tu les gars, ils ont toujours la possibilité de cliquer sur les 3 points et de ne plus te suivre. Donc voilà. Maintenant, la promotion, ça ne marche pas. Où trouver les publications? Philippe, je ne comprends pas la question. Merci Jean-Pascal. OK.
On me demande quelle étude j'ai fait. J'ai 54 ans, les études sont loin. Moi, j'ai fait un bac plus 2, une école de vente à la Chambre de commerce de Lille. Voilà. Donc, des petites études. Comment trouves-tu autant de sujets à poster? Ah, c'est une bonne question, ça. On pose la question souvent. En fait, on a tous des idées. Le seul problème, c'est qu'elles arrivent et qu'elles partent. Donc, le truc à faire, c'est que dès que tu as une idée qui passe, il faut prendre dictaphone, ton téléphone, tu notes dessus. Voilà, c'est que les idées, on les a. On en a dans notre quotidien. Moi, je peux raconter des histoires de moi en tant que client. Je vois une vidéo qui m'interpelle, boum, je vais la reposter parce que ça me fait penser à quelque chose dans la vente. Les idées, on les a, le problème, c'est qu'elles partent. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est dès que tu as une idée, tu notes quelque part. Puis moi, voilà, je fais ça moi dans Notes sur mon iPhone. Et je note des idées. Puis quand je suis vraiment à court, ben, j'y vais. Mais en fait, je l'utilise assez peu. Fabien. Donc Fabien. Fabien, je vous conseille de le suivre. Hein, c'est un profil à suivre. Hein, c'est un étudiant, mais qui est déjà plein, plein de ressources. Et puis c'est un étudiant que, voilà, que je vais avoir sous mon aile pendant 2 mois et demi, à partir du mois de mai, hein, puisqu'il va faire un stage de vente avec moi. Donc, suivez-le, hein, on va essayer de le faire avancer sur les sujets LinkedIn. Pour devenir influenceur LinkedIn, faut-il faire de la recherche aux abonnés? Non, encore une fois, c'est pas la bonne démarche. Il faut pas se dire, tiens, je vais avoir des abonnés, je vais chercher des abonnés. C'est se dire, je vais partager du contenu, et si je partage du contenu, normalement, et c'est un bon indicateur, c'est pour ça que vous pourrez voir qu'il y a pas mal de comptes qui restent bloqués aux alentours de 30 000, 31 000. Bah parce que c'est les contacts de niveau 1, c'est-à-dire que là, je peux un peu faire de la demande automatique. Et puis une fois que je suis arrivé à 30 000, eh ben, si je n'ai pas de contenu intéressant, je vais rester bloqué à 30 000. Donc pour moi, et c'est pour ça que je suis très fier d'avoir aujourd'hui un peu plus de 100, 126 000 abonnés, c'est que c'est un indicateur de la pertinence de mon contenu et que ça j'intéresse des gens. Alors, c'est bien et pas bien, hein, parce que j'intéresse 126 000 personnes sur 23 millions. Donc on se dit c'est beaucoup, mais c'est en même temps pas beaucoup. Ludo qui me demande d'aller voir son profil. Alors comme je suis en live là sur LinkedIn, je pourrais pas. Mais envoie-moi un petit message. Donc ça c'est sur TikTok, hein, parce que je fais des lives sur LinkedIn, sur le sujet LinkedIn. Donc Ludovic, ce que je te propose, pas que j'oublie, si tu peux m'envoyer un petit message, voilà, en privé, pour que j'aille voir et que je te dise ce que j'en pense. Ah bah Michel, il est là, oui, il est passé de TikTok à LinkedIn, les miracles. Suivez-le. Est-ce que vous basez sur le marché ciblé pour acquérir de nouveaux prospects? Non, parce que je n'ai pas de marché ciblé. Quel est le meilleur format pour LinkedIn? Photo, vidéo, autre? C'est une bonne question, Anthony. Pour moi, ce qui est intéressant de faire, et c'est ce que je fais, c'est que il faut varier les supports et il faut varier les formats. Donc, malgré tout, un des formats qui fonctionne le mieux, si c'est bien fait et si c'est un vrai apport de contenu, ce sont les carrousels. Donc les carrousels, hein, ce sont des PDF ou des petites présentations que tu fais avec Canva, avec des vignettes qui défilent. Parce que ça, à chaque fois qu'une vignette défile, ça fait un clic sur ton post et ça dit à l'algorithme de LinkedIn, tiens, ce post, il y a du monde qui interagit dessus. Donc c'est un bon indicateur. Donc aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est ça. La vidéo marche pas si mal, hein. Après, ça dépend de ce que tu postes. Là aussi, hein, si c'est intéressant, les gens y sont. Faut pas que ce soit des vidéos trop longues. Une 32 minutes. En tous les cas, moi, j'essaie d'alterner sur la forme. Un coup, ça peut être aussi un sondage. Un coup, c'est une photo. Un coup, c'est une citation. Un coup, c'est rien. C'est des posts sans rien. Voilà. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, surtout quand tu publies souvent, c'est de varier. Si tu fais que des carrousels, voilà, ça va saouler. Si tu fais que des photos, ça va saouler. Si tu fais que des sondages, ça va saouler encore plus. Donc, voilà. N'hésitez pas sur TikTok, hein, il y a un petit peu de monde là, vous êtes une trentaine de personnes, mais si vous avez des questions sur LinkedIn, allez-y, hein, je suis en même temps en live et sur YouTube et sur LinkedIn. Voilà. Qu'est-ce qui ne vous sert pas sur LinkedIn ou que vous déconseillez? J'en ai parlé, hein, c'est d'être dans la promo, c'est d'être dans la publicité, c'est de parler de ses produits et de dire, regardez, on est fort, on est beau, on est les meilleurs. Bon, moi, je ne suis pas fan des posts où les gens disent, ah bah j'ai réussi ça. Ah ben ça y est, j'ai mon diplôme de ça. Ah ben belle réussite dans l'entreprise. Bon, on peut le faire de temps en temps, mais ça n'intéresse pas énormément. Et quand ça intéresse, ben, ça va intéresser les gens qui sont dans ton réseau proche. Mais bon, là, ce n'est pas le but. Ben voilà, Fabien, hein, qui est proactif et qui dit,
qu'on peut aller voir la post d'Adeline Laurie sur 10 idées de sujets à poster. Voilà, très bien. Ok, Joël, bah, tu me diras, n'hésite pas. Anthony, j'avais compris. Quel avantage avez-vous à mentionner les liens en commentaire plutôt que dans le post directement ? Alors, ça a plusieurs intérêts. C'est moins vrai maintenant, mais bon, c'est toujours vrai, c'est que s'il y a un lien sortant dans ton post, LinkedIn ne va pas aimer, puisque l'objectif de LinkedIn, c'est que tu restes quand même sur la plateforme. Donc ça, c'est un des intérêts. Le deuxième intérêt, c'est que ça te fait créer un commentaire. Et que ça, c'est comme les restos. Hein. C'est-à-dire qu'un resto vide et un resto plein, bah, les gens ils vont aller dans le resto plein et pas dans le resto vide. Donc, un post où il y a déjà un ou deux commentaires, ça pousse à aller voir les commentaires, donc à passer du temps sur le commentaire. Et donc, voilà l'intérêt que ça peut avoir de mentionner le lien en commentaire plutôt que dans le post. Tu es moins pénalisé par LinkedIn. On pose la question de ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Joël, je l'ai dit, moi, enfin, le gros truc, c'est la pub. C'est la pub et l'autopromotion. Les divers émoticônes ont-ils une influence sur la portée des posts ? Oui, alors il y a eu des études là-dessus. Il faudrait que je les retrouve, mais je ne les ai plus en tête. En tous les cas, les émoticônes, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il ne faut pas qu'il n'y en ait pas. Maintenant, qui dit émoticône ne dit pas forcément smiley, mec qui rigole. Mais ça facilite la lecture et puis ça rajoute de l'émotionnel dans le post. Et c'est toujours positif pour la lecture. Donc, forcément, du coup, ça va avoir une influence. Mais l'algorithme ne se dit pas, tiens, il y a des émoticônes, donc je vais beaucoup plus montrer le post. En revanche, ça va beaucoup plus engager les gens parce que ça facilite la lecture, parce que du coup, ça met un petit peu de couleur et on a plus envie de lire que si c'est voilà, juste un bloc. Un avis sur la dégradation du contenu sur LinkedIn ces deux dernières années. Moi, je ne trouve pas que le contenu se dégrade. Hein. Souvent, les gens se disent, oui, LinkedIn se Facebookise. Bon, moi, ça m'arrive de mettre des choses qui pourraient être sur Facebook. Mais ça marche. Donc, si ça marche, c'est que les gens aussi ont envie, peut-être sur une plateforme professionnelle, d'avoir des petites choses aussi qui les divertissent. Alors, encore une fois, hein, les gens, ils ont la possibilité de suivre ou de ne pas suivre. Bon, alors, je trouve quand même, Hervé, qu'il y a toujours des trucs intéressants sur LinkedIn et qu'aujourd'hui, en termes de réseau social professionnel, bah, c'est quand même le réseau le plus intéressant. Et tu as toujours la possibilité de zapper, hein, tu vas sur les trois petits points, tu bloques ou tu arrêtes de suivre une personne et tu verras plus son contenu. Et un autre bon moyen de se faire son propre contenu, c'est d'aller dans le moteur de recherche ou par les hashtags ou par des mots-clés. Si tu t'intéresses à la photographie, bah, tu mets photographie dans le moteur de recherche, post, et tu n'auras que les posts qui parlent de photographie, par exemple. Donc, c'est un bon moyen de ne pas être pollué et de créer son propre fil d'actualité. Ah, regarde Fabien, tu as une followeuse de plus, Denise. Je cherche une entreprise à reprendre, quel conseil me proposes-tu ? Bon, voilà, tu peux faire un petit peu comme les gens, tu peux peut-être mettre une offre, hein, dire tiens, bah, je cherche une entreprise à reprendre. Maintenant, si tu as un domaine d'identifié, bah, dans le moteur de recherche, tu vas essayer de trouver les entreprises qui sont dans ce domaine-là et puis essayer de voir où ils en sont et s'ils sont vendeurs. Voilà. J'assure comme une chef, hein, Nathalie, qui nous dit, et puis derrière un pro, il y a une personne dont on découvre le tempérament avec des publis annexes. Oui, et c'est ça qui intéresse les gens, hein, c'est ce côté relationnel et émotionnel. Quelle est la bonne manière ou stratégie pour changer le prix d'un produit ? Waouh ! Compliqué et c'est trop vague et ce n'est pas le sujet du jour. Donc voilà, je ne peux pas te donner de réponse parce que c'est quel est le produit, quel est le prix de revient, c'est quoi le marketing autour, c'est quoi la cible, c'est qui les clients, enfin bon, trop compliqué. Alors, Fabien, peux-tu nous dire en plus sur l'algorithme LinkedIn comment ça fonctionne pour la visibilité, commentaires ou partage ? L'algorithme LinkedIn, il fonctionne comme beaucoup d'algorithmes sur les réseaux sociaux. C'est que plus on passe de temps sur le post, plus il y a d'interactions, plus il est commenté, plus il est liké, eh bien, plus l'algorithme se dit, tiens, je vais le montrer à plus de monde. En fait, ce qui se passe, c'est que l'algo, il montre à 5%, 10% de votre audience.
Si personne réagit, si personne commente, très vite il descend. Alors que s'il y a des interactions dessus, bien évidemment, il sera vu par plus de monde. Le dwell time, hein, c'est quelque chose qui est important. C'est sûr que si on fait un post de 2 lignes ou 3 lignes, bon, les gens vont passer peu de temps. Alors des fois, il y a des posts comme ça qui fonctionnent, mais c'est vrai que si on peut utiliser les 1300, 1400, 1500 jusqu'à 3000 caractères, en facilitant la lecture, en faisant des sauts de ligne, bah forcément, je vais scroller, je vais cliquer, et donc l'algorithme va se dire, tiens, la personne a passé du temps dessus. Voilà, Fabien. Monsieur Christian Cotman, hein, il a viré sa photo, il a mis son petit logo, très bien. Donc un confrère, bah, écoute, super, je suis content que tu passes. Voilà. Donc vous pouvez suivre aussi Christian Cotman. Voilà, un confrère qui parle de vente aussi, comme moi. Que penser de mes posts communiqués sur LinkedIn et qui restent sans réponse ni réaction? Ils ont juste quelques vues, malgré que j'essaie de toujours terminer en partage avec une question. Okay. Est-ce que c'est une question ouverte, une question engageante? Est-ce qu'ils ne sont pas passionnants? Merci et bonne soirée. Écoute, Laurent, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu appelles des posts communiqués. Il faudrait que j'aille voir. Donc, à la limite, envoie-moi un petit message dans la messagerie LinkedIn que j'allais voir après le live, parce que là, c'est compliqué d'aller sur la page LinkedIn et puis d'aller voir ta page. Mais je ne sais pas. Là, il faudrait voir ce qu'il y a dans tes posts. Sur TikTok, bonjour, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours pro dans les grandes lignes? Oui, alors, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais en gros, moi, ça fait 16 ans maintenant que j'ai créé mon cabinet de formation qui s'appelle Coach de Vente Conseil, et j'accompagne les commerciaux et managers commerciaux à gagner en confort, en efficacité dans leur quotidien. Avant, si tu veux voir avant, j'ai un profil LinkedIn, Jean-Pascal Mollet. Donc voilà pour TikTok. Tac. Ouais, Anthony, on peut perdre en visibilité. En tous les cas, bon, LinkedIn n'est pas fan. Hein. LinkedIn, le but de LinkedIn, c'est qu'on soit le plus longtemps sur la plateforme. Donc on sait qu'une vidéo native, une vidéo postée directement sur LinkedIn, normalement a plus de portée qu'un lien YouTube qui va l'envoyer, bah, qui va t'envoyer vers YouTube. Parce que là, du coup, LinkedIn te perd. Que penses-tu du social selling via la messagerie LinkedIn? Donc là, tu me parles un peu d'automatisation, comme le peuvent faire certains outils. Bon, moi, je suis pas fan et je le fais pas. En fait, c'est un peu le principe du mailing, hein, c'est-à-dire qu'on se dit, on va envoyer 100 messages, 150, 200 messages, et puis sur les 150, 200 messages, eh bien, je vais peut-être avoir 1, 2, 3, 4, 5 prospects. Donc voilà, moi je suis pas fan, c'est pas des choses que je conseille, mais ça marche, en tous les cas ça doit marcher forcément, puisqu'il y a des entreprises dont c'est le métier. Anthony, à quelle heure faut-il publier? Ah, alors ça c'est toujours une grande question, une bonne question. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'heure en fait. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a des heures. Alors oui, si tu publies le mercredi soir à minuit, bon, il y a peu de chances que tu aies beaucoup de visibilité. Et encore, moi, ça m'est déjà arrivé de publier des trucs, mais vraiment, voilà, des posts en plus sans intérêt à 10h, 11h, et j'ai eu des gens qui ont réagi. Du style, voilà, j'arrive pas à dormir, et vous en êtes où? Tiens, il est telle heure chez moi, et chez vous, il est quelle heure? Et les gens répondaient. Donc, bon, il n'y a pas de règle. Même le week-end, hein, les posts fonctionnent. Donc, faut tester. Et puis, une fois, tu vas poster à 8h, tu vas cartonner. Puis, le lendemain, tu vas poster à 8h et ça n'a pas marché. Ça dépend de tellement de choses. Voilà, je crois qu'il faut. Le principal, c'est de publier, en fait. C'est pas de se poser la question quand, mais qu'est-ce que je publie et quand est-ce que. Et est-ce que je publie suffisamment? Voilà. Christian qui a vu un gros minet. Ok, écoute, merci Christian de ce commentaire. Je ne sais pas où tu en as vu un gros minet, mais merci, merci. Ah, est-il possible de choisir l'emplacement du fameux voir plus lors d'un post pour attirer la curiosité? Non, parce que ça, c'est LinkedIn qui le poste. Donc après, si tu veux attiser la curiosité, tu mets ton titre, tu mets des espaces. Du coup, il y aura forcément voir plus pour après arriver à la suite. Mais ça aussi, c'est un indicateur pour l'algorithme quand les gens ont cliqué sur voir plus. Donc oui.
C'est important de se dire qu'est-ce que je mets avant le voir plus pour que les gens aient envie de cliquer sur voir plus. C'est une bonne question. Sur TikTok, j'ai une question. Salut Nathalie, peut-être une prochaine, il faudrait qu'on se fasse un live un jour, Nathalie, ou sur LinkedIn ou sur TikTok, avec plaisir. Un conseil, une ligne rouge à suivre pour un jeune vendeur automobile qui va commencer. Un conseil dans quoi? Une ligne rouge. Alors, je ne sais pas si la ligne rouge est à suivre. Hein. Une ligne à suivre, ok. Alors, si c'est dans la vente, c'est déjà de concentrer sur ton questionnement pour et ta découverte client. C'est certainement la chose la plus importante. Ah, une déclaration d'amour, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, merci, Christian. Déclaration d'amour d'un confrère en un seul mot. Donc, voilà. Blague à part, c'est Sun Live spontané. Un live spontané. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas un live spontané, hein, il était prévu, hein, je l'avais planifié. Donc, non, non. Bien, donc allez-y, n'hésitez pas. Posez-moi vos questions si vous avez encore sur LinkedIn. J'ai un petit peu de temps disponible. Après, c'est comme vous voulez. S'il n'y a pas de questions, ben, voilà, on se reverra sur un autre live. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je n'ai pas vu d'événement dans mon live. Ben, écoute, pourtant, il y avait un événement créé, normalement. Bruno, sur la messagerie, ça marche au même titre que les posts. Si tu apportes de la valeur à la personne avec qui tu rentres en contact, tu confirmes. Oui, bah, on est d'accord, Bruno. Mais forcément, si tu fais ça, c'est que tu n'es pas en mode bourrin et en mode automatisation. Mais je suis d'accord. Si tu vois qu'une personne est intéressée par, voilà, je sais pas moi, par la gestion de patrimoine, parce qu'elle a liké, parce qu'elle a commenté un post, si en messagerie privée, tu dis, tiens, je vais vous étiez intéressé, ben voilà, je vous envoie tel article, je vous envoie tel document et puis t'arrêtes là. Je suis d'accord avec toi. Dans ce cas-là, c'est intéressant de passer par la messagerie. Et là, si tu as personnalisé ton message, forcément, tu marques des points. Tu marques des points. Voilà. Donc, Bruno, oui, je confirme que si tu apportes de la valeur et qu'on ne sent pas que c'est le truc, bonjour, prénom, non. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu penses ça? Est-ce que tu as besoin de ça? Ah ouais, voilà. On est d'accord. Muriel travaille. Eh ben, merci, bonsoir. Ok, est-ce qu'il vous reste des questions sur LinkedIn, sur comment attirer tes futurs clients sur LinkedIn, questions-réponses? Allez-y, allez-y. S'il vous reste 3-4 questions, j'y répondrai. Et pareil sur TikTok, ici, hein, si vous avez des questions sur LinkedIn, sur son intérêt, sur comment l'utiliser, sur quoi faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, des petites astuces, je vous écoute. As-tu pu analyser, Léa, tes KPI sur ton acquisition de lead via LinkedIn? Et si oui, le délai est-il plus rapide sur LinkedIn pour closer? Oui, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, hein, je ne sais pas si tu étais là, mais les leads que j'ai sur LinkedIn, qui sont tout le temps des leads entrants, c'est-à-dire que c'est des gens qui me contactent, le délai pour closer, il est plus rapide que si c'est des gens qui m'ont trouvé sur Internet, qui ne me connaissent pas forcément ou qui m'appellent de la part d'eux et qui ne me connaissent pas forcément. Donc c'est plus rapide parce qu'ils ont déjà acheté une partie de qui je suis. Et comme il n'y a pas trop de décalage entre qui je suis sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux et ce que je vends, ouais, le délai est plus rapide sur LinkedIn pour closer. Donc je te confirme. Jean-François, que penser des pods pour booster les publications? Bonne question. Alors déjà, pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est un pod, il y a des pods automatiques et des pods humains. Un pod automatique, c'est un outil où tu vas t'inscrire et tu vas accepter qu'il y ait des commentaires sur les posts des gens qui sont inscrits, qui viennent de ton profil. Et tu peux même, j'avais fait un post là-dessus il y a un certain temps, tu peux même, tu crées tes propres commentaires. Donc, si Jean-François est dans un pod automatique, une fois qu'il poste, il peut, à travers d'autres profils, dire Jean-François, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es le plus intelligent, j'adore ce que tu fais, etc. J'ai quelques profils en tête qui utilisent ça, mais ça se voit tellement que bon, voilà, mais très bien, c'est une façon de faire. Donc, évidemment, moi, je suis contre. Voilà. Après, il y a les pods humains.
Moi, j'en ai eu un pote humain, on était une quarantaine de gens que je connaissais, et où on se disait, tiens, bah, voilà, sur un groupe WhatsApp, on va se partager nos publications, on va dessus, on commente en fonction de ce qu'on pense, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si on n'aime pas, on pouvait commenter. Mais donc, ça alertait les gens pour aller avoir une action sur le poste. Donc, pour lui donner un peu plus de, pour lui donner un petit boost au démarrage. Donc, moi, je suis plutôt partant de ça. Alors moi, j'ai arrêté quand même depuis maintenant. Je l'ai arrêté, mon pod, en septembre 2020, je crois. Donc, je l'ai eu de une année, je crois, de 2019 à 2020. J'ai arrêté parce que, d'une part, c'était toujours les mêmes gens qui commentaient. Donc, bon, voilà, je trouvais que ce n'était pas forcément intéressant. Et puis, LinkedIn a fait aussi un petit peu la guerre à ces pods, hein, qu'ils soient automatiques ou manuels, en modifiant l'algorithme. C'est-à-dire que, pas forcément en prenant en compte les 5, 10 ou 15 premières minutes ou la première demi-heure. Et ils font un peu la chasse à ça. Donc, pour éviter de se faire bannir, tout le cas, moi, j'ai arrêté. Et puis, voilà, je m'en porte pas plus mal, en fait. Lionel qui est infidèle. Salut Lionel. Est-ce que le repartage de poste apporte de la visibilité? Donc, oui, alors moi, c'est vrai que souvent j'engage, je mets une petite ligne, je mets repartage mon poste. Parce que forcément, quand tu repartages mon poste, eh bien, ça va me donner de la visibilité à moi. Maintenant, si Lionel repartage le poste de JP, bah, en fait, il bosse pour JP, il ne bosse pas pour Lionel. Donc, si vous voulez travailler sur votre profil et faire que votre profil fonctionne et se développe, ne repartagez pas des publications d'autres personnes. Enfin, vous pouvez le faire, mais l'objectif qui pourrait être central et qui pourrait être vous est raté parce que forcément, si vous republiez, vous repartagez le poste de quelqu'un, bah, les gens, si ça les intéresse, ils vont cliquer sur le poste, ils vont aller commenter le poste et puis bah, ils seront plus sur votre profil. Donc, ça apporte de la visibilité pour celui qui est repartagé. C'est pour ça que plus tu apportes de la valeur, plus les gens auront envie de repartager. Et puis, c'est l'effet boule de neige, ils vont repartager à des gens qui ne sont pas forcément en contact avec moi aujourd'hui. Selon toi, quelles sont les personnes à suivre sur LinkedIn? Bah, je crois que les personnes à suivre, c'est déjà voir les gens qui sont dans ton univers, dans ton métier. Il y en a plein. Alors, tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle les top voice sur LinkedIn. Tu as aussi un bon truc. Tu as Favicon, hein, Favikon. Tu vas sur leur site, ils ont la liste des 150 influenceurs LinkedIn. Donc là, forcément, c'est des gens qui publient beaucoup. C'est des gens qui ont de l'engagement sur leur poste. Donc ça, c'est un bon moyen. Tu en as qui sont. Alors, c'est dans tous les domaines, aussi bien sur l'emploi. Je parlais de Michel Coury tout à l'heure, il est dedans. Que sur l'écologie, que sur le handicap, enfin voilà. Donc un bon truc, c'est d'aller voir leur liste et puis bah, tu vas voir les profils. En tous les cas, ce sont des profils qui sont actifs et sur lesquels il y a forcément des choses à apprendre. Voilà, Christophe, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ah ok, super Léa. Ok, TikTok, salut Joanne, on regarde vos vidéos en cours BTS Technico Commercial. Ben, j'adore, super. Tu peux leur dire hein, de suivre aussi mon compte TikTok, hein, je ne sais pas si c'est le cas, si c'est ma chaîne YouTube, mais écoute, c'est gentil Joanne de passer, merci. Ok, et eh ben merci Joël, avec plaisir. Voilà, on évite d'être bourrin Bruno. Bah ouais, bourrin, hein, ça marche pas. Enfin, c'est pas la bonne approche en tout cas. Conseillez-vous de sortir de son domaine d'activité dans les postes? Si oui, par quelle stratégie, dans quelle mesure? Oui, je crois qu'on peut sortir de son domaine d'activité. Hein, ça peut être 15-20%, une réaction sur l'actualité, une réaction de client, une réaction, voilà, des histoires. Hein. C'est que le storytelling, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, il faut quand même qu'on puisse identifier une espèce, pas une ligne éditoriale, mais que tu sois toujours un peu les mêmes sujets. Moi, je suis quand même toujours sur la vente, la relation client, la méthode DISC, l'utilisation de LinkedIn. Mais de temps en temps, je vais poster autre chose. Tu vois, aujourd'hui, à 13h30, alors, ce n'est pas si éloigné de ça que la vente, hein, mais que ça, de la vente. J'ai posté qu'on appelle ça, un meeting de Ciotti, Eric Ciotti. Puis il y a quelqu'un qui prend la parole et puis qui dit eh oui, on accueille Eric Ciotti, je suis très content d'être là. Voilà, j'en ai rêvé et puis ça y est, je le fais. Et il dit en plus, je vais vous dire un truc, Eric Ciotti, voilà, il a déjeuné avec une personnalité incroyable ce midi.
Et il demande à Eric Ciotti, bah, voilà, c'est qui? Et Eric Ciotti dit, bah non, c'était un dîner privé, un déjeuner privé. Et le gars, il reprend la parole et dit, eh oui, ben, je vais vous le dire, en fait, il a déjeuné avec François Fillon. Et on voit la tête d'Éric Ciotti. Et voilà. Donc, j'ai posté ça parce que j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça que, vous voyez, que le gars n'était pas préparé, il n'était pas à l'écoute. On lui dit un truc, il fait le contraire. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent être liées à la vente. Donc, oui, on peut sortir de son domaine d'activité. Et je pense qu'il faut le faire, parce que ça donne aussi l'aspect humain. Voilà. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait que ça. Après, je prends l'exemple de Michael Aguilar, qui a 240, 250, 200, au moins 240 000 abonnés, qui publie dans 80% des cas des choses qui ne sont pas liées à son activité. Hein, c'est voilà, des vidéos un petit peu drôles, des vidéos qui font réfléchir. Et ça fonctionne, dans tous les cas, il y a de la visibilité. Voilà. Les potes, ce n'est pas qualitatif. Non, nous sommes d'accord, Jennifer. Esther, alias Sarah Snow. Ça passe podcast. Bon, tu me vois pas en vidéo là, t'as que le son. Enfin, c'est plutôt un live. Que conseillez-vous à un commercial débutant? Bah, si c'est un conseil à un commercial débutant sur LinkedIn, c'est que déjà son profil soit propre. Quand je dis propre, une photo professionnelle, une bannière, qu'on sache ce qu'il fait, que toutes les parties soient remplies, que bah, sa partie d'expérience parle, qu'il ait quelques recommandations de clients, bah, parce que forcément. C'est le CV en ligne. Et moi, aujourd'hui, dès que je dois aller voir un interlocuteur ou que j'ai un rendez-vous, je vais voir son profil LinkedIn. Bah, dites-vous que la plupart des acheteurs, aujourd'hui, ils vont aller voir le profil LinkedIn du commercial. Donc, c'est la carte de visite en ligne. Laurence, est-ce que LinkedIn sera un bon support pour m'aider à développer mon nouveau projet de formation responsable de projet territorial en transition pour cette année 2022? À la fois pour rechercher les mises en situation pour les futurs employeurs de formation et ensuite pourquoi pour un CDI. Oui, bah LinkedIn, c'est un bon support pour ce style de recherche et de demande. Donc oui, Laurent, je pense que c'est la bonne plateforme. Hein. Quelle procédure adopter pour maximiser ses ventes sur les réseaux sociaux? Je crois qu'il faut faire. Faut pas avoir peur de faire. Faut tester, voir ce qui marche pas. Il faut, voilà, il faut agir, il faut être présent et pas avoir peur de donner, parce que voilà, il faut donner du contenu. Jean-Pascal, qu'est-ce qu'un poste putaclic? Moi, j'en fais de temps en temps. C'est un poste où on sait que de toute façon, il va y avoir de l'engagement parce que c'est un poste polémique, parce qu'on demande aux gens de prendre parti, parce que le titre peut attirer. Parce qu'on sait que c'est une vidéo ou parce que c'est un sujet qui va être clivant. Hein. Pendant longtemps, il y a eu bah, les posts sur le Covid, par exemple, ou sur les masques. Voilà, dès que tu lances un débat et que tu polarises, bah, pour moi, c'est un post putaclic. Bon, maintenant, on peut en faire de temps en temps pour augmenter sa communauté et puis pour après bah, revenir sur sa ligne éditoriale. Après, on prend des risques. Hein. Encore une fois, ça va plaire à des gens et ça va pas plaire à d'autres gens. Mais on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Voilà, Christian. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, je pense que oui. Avec ta notoriété, tes multiples canaux et ton cœur de métier, tu n'as jamais pensé à déléguer ce sujet de stratégie de contenu sur les réseaux. À titre perso, je crains de l'externaliser pour perdre la personne. Ben voilà, ben, t'as ta propre réponse à ta question. Non, je n'externalise rien. Je ne veux pas déléguer ma stratégie de contenu, sachant que je n'ai pas de stratégie de contenu. C'est-à-dire que je ne sais pas encore ce que je vais publier demain ni après-demain. Encore moins la semaine prochaine. C'est vraiment les idées qui arrivent au fur et à mesure. C'est voilà, donc j'ai pas de stratégie. Ma seule stratégie, c'est de me dire il faut que j'ai une idée de publication pour demain. Voilà, ça se limite à ça. Donc j'ai mes posts sur LinkedIn, sur TikTok là où on est en live actuellement. Voilà, c'est quand j'ai un peu de temps, je vais aller faire une vidéo TikTok. Donc pour l'instant, je me suis pas encore astreint sur ce réseau, même si j'y crois fortement. Donc voilà. Et donc évidemment, moi je délègue pas, mais moi je suis un artisan, donc c'est facile de dire je délègue pas pour des entreprises qui sont plus importantes. Elles peuvent déléguer. Mais c'est pareil, une boîte qui a 10 commerciaux, 15 commerciaux, moi je conseille à la boîte de former les commerciaux pour que eux publient et donnent de la visibilité à la marque et à l'entreprise. Et pas forcément déléguer une boîte de marketing à côté
qui va faire des posts un peu creux et fades. Humour, travail et LinkedIn, c'est compatible. Bah oui, parce que bah, je sais pas, quand on est au boulot, on a besoin de rigoler, on a besoin aussi de passer voilà, de la bonne humeur et d'avoir des choses qui nous détendent. Donc évidemment, évidemment. Et on voit qu'il y a pas mal de publications entre guillemets teintées humour bah, qui fonctionnent très bien sur LinkedIn. Donc la preuve que oui. Bien, je réponds encore à deux, trois questions. Il est presque 7 heures. On me demande sur TikTok, doit-on jouer de son charme avec un client? L'as-tu déjà fait? On a tous du charme en fait. Hein, donc, la vente, c'est une sorte de séduction. Donc oui, déjà le fait d'essayer de s'adapter à la personne en face de vous, ça, c'est une question de charme déjà. Bien, les amis, si vous n'avez plus de questions, bah, voilà, je reviendrai une autre fois, un autre jour. Bah, merci d'être passé. Bon, c'était cool, j'adore ces moments d'échange. C'est vrai, quand on aura le LinkedIn audio, bah, ce sera peut-être encore plus sympa parce qu'on pourra entendre les gens. Là, du coup, c'est vrai que c'est que du message écrit. Mais ça fait plaisir de voir certaines personnes que je vois régulièrement, bah, notamment sur mes posts, et réagir et interagir. Donc voilà, la conclusion que je pourrais vous donner, c'est faites, soyez présents, donnez de la valeur, allez commenter aussi, hein, c'est-à-dire que c'est un bon moyen aussi pour ceux qui ne veulent pas créer du contenu, allez commenter des posts, et notamment des posts de gens qui ont de la visibilité. Donc je parlais du top 150, mais voilà, alors venez commenter mes posts, mais commenter aussi ailleurs, c'est un bon moyen déjà de se montrer. Si vous faites des commentaires du style bravo, génial, c'est top, bon, c'est pas ça qui va amener des gens à vous. Maintenant, si vous faites des commentaires un peu intelligents hein, sur des posts, pourquoi pas aller commenter aussi. On a notre ministre, le maire, j'ai oublié son prénom, mais le ministre de l'Industrie, de l'Économie et de l'Industrie, Bruno Le Maire, bah, qui est très présent sur LinkedIn. Bah, vous allez commenter de temps en temps des posts chez lui. Eh bien, forcément, vous allez donner de la visibilité si les commentaires sont intelligents. Et puis, les gens vont venir voir votre profil. Et puis, ils iront peut-être voir votre contenu. Mais voilà, c'est que ça va créer forcément du trafic. Donc, c'est aussi un bon moyen pour ceux qui n'ont pas envie de créer du contenu, de faire des posts, de se donner de la visibilité et d'attirer, bah, pourquoi pas, les futurs clients, puisque c'est l'objectif. Voilà, les amis. Eh bien, Jean-François, merci beaucoup. Hervé également. Christophe. Fabien. À très bientôt. Bah, écoute, j'espère qu'on apprendra des choses ensemble. Christelle, merci beaucoup. Léa, à très bientôt. Denise, pareil. Bruno, un grand merci aussi. Boguslas, tiens, c'est rigolo comme prénom. Je connaissais pas. Laurence, avec plaisir. Donc, s'il y en a qui ont des petites questions, n'hésitez pas à m'envoyer en messagerie LinkedIn. Hein. J'essaierai bien évidemment de répondre. Il est 19 h. Passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Voilà, prenez du plaisir en tous les cas, parce que c'est vrai que si c'est une contrainte, ce ne sera pas forcément l'idéal. Voilà les amis, à très bientôt. Bye bye.